Bonjour à tous et à toutes, c'est Oliver Plasman, on est parti pour un autre TT, un autre time trial, sur cette fois-ci le circuit Yoshi, que de nostalgie ce circuit. Et vous voyez le développeur qui a fait 2 minutes 11 avec Yoshi rouge, avec un véhicule que j'aime pas trop, l'Intrépide, qui est pourtant assez rapide, et moi, Oliver Flav, Oliver Plasma plutôt, de la chaîne Oliver Flav, et avec j'ai fait 1 minute 59 114 millisecondes, et avec la Yoshi Moto. C'est pas n'importe quelle moto. Attention, une moto avec l'effigie de Yoshi. Et qui tourne très bien, vous allez voir. Mais bon, par contre, c'est pas une moto très rapide. Donc voilà, moi je suis pas là pour prendre, comme tout le monde, la voiture complètement cheatée, là, que tout le monde prend, là, qu'on gagne presque au début du jeu. Je sais plus comment elle s'appelle, je vous dirai le nom plus tard, je sais pas. Mais voilà quoi. Voilà, que de nostalgie ce circuit Yoshi. Circuit en forme de Yoshi qui est sur la GameCube. Bien sûr, un remake du circuit de la GameCube. Avec aussi un remix magnifique. Voilà, une musique magnifique que je vous ai déjà fait écouter dans le DLC. Quand j'ai fait la vidéo découverte. Et bah, ce circuit là, franchement, c'est. Avec une nostalgie, ça me fait vraiment plaisir de reparcourir et de le refaire là, de faire le TT, même si j'ai mis beaucoup de temps à le faire celui-là aussi. J'ai presque autant travaillé que le TT du circuit d'Hyrule, donc ça promet que du bon. Comme vous voyez, je gère quand même. Donc alors, je vais vous expliquer un petit cut que j'ai fait, que j'ai trouvé, sympathique, fort sympatoche. Au lieu de tourner à la normale, vous voyez là-bas tout au bout, où on peut tourner à droite, comme on fait normalement, et ben moi je fais, voilà, je saute par-dessus les pneus à moitié, enfin entre les deux pneus, les deux derniers pneus, je saute, et en même temps je suis obligé de faire un boost, sinon bien sûr bah, la pelouse me ralentit. Et il faut quand même avoir le temps de faire le boost, et je le fais vraiment bah, au pixel près quoi. Donc voilà, là je fais le cut hyper connu hein. On franchit la cascade, enfin c'était pas une cascade avant je crois sur GameCube, mais voilà c'est... Là c'est une cascade, c'est plus beau. Il y a plus de couleurs, c'est magnifique. Ah, là je l'ai pris parfaitement. Ce qui est fou c'est d'habitude non, on fait n'importe quoi au troisième tour. Bon là j'ai fait un peu un fail, j'ai sauté deux fois, je me suis un peu planté. C'était le stress, je me suis dit mon dieu, j'ai réussi mais qu'est-ce que je fais maintenant. C'était ça à moitié en plus. Je dis putain, j'ai trop bien réussi, je l'ai réussi trois fois d'affilée. Oui, parce que ce cut, faut savoir, le petit cut là, il est extrêmement dur à faire. Il est plus dur que le cut du circuit d'Hyrule avec Link, avec le cut, vous savez, quand on va complètement à droite et qu'on part après à gauche. Là, c'est pas n'importe quel cut quand même. Surtout que j'utilise sans champignons, donc voilà. Parce que mon champignon, j'utilise pour le premier cut qui est très facile à faire, mais il nous fait gagner 3 secondes, franchement, un truc comme ça. Et ce cut là il nous fait gagner à peu près une seconde. Je pense. Peut-être un peu plus. Une seconde et demie, mais voilà. Vraiment intéressant de prendre ce cut et je vous conseille quand même cette moto, hein, Yoshi Moto, en tout cas pour essayer de prendre le cut au début. Parce que Yoshi Moto, elle a. Bah, c'est une moto minuscule. Hein. Et puis Yoshi, c'est pas un gros personnage, hein. C'est un poids moyen. Bah vous pouvez prendre bébé Mario avec Yoshimoto, ça sera encore mieux. Mais bon, moi j'ai préféré prendre Yoshi parce que moi j'aime bien ce perso. C'est mon perso préféré avec Donkey Kong hein, dans Mario Kart 8. Je sais pas, j'aime bien sa bouille. Et voilà. Donc voilà, c'est... Et puis j'avais pris la Yoshimoto surtout, c'était pour... Pour que ça fasse classe quoi, pour que ça soit vraiment le circuit Yoshi avec tout est Yoshi quoi. Tout est à l'effigie de Yoshi, attention, c'est pas rien. Bon, même si j'ai pris Yoshi bleu, hein. Oui, je sais, je suis pas un authentique fan de chez fan de Yoshi, hein. Je préfère pas le vert, je préfère le bleu. Voilà, je préfère pas l'original. Donc voilà, là, ce cut, là, c'est faut être entre le pneu tout à gauche et le pneu au milieu. Et là c'est parfait, on le prend parfaitement comme j'ai fait à la fin. Mais ce cut il est extrêmement hard. Je le fais mais vraiment au dernier moment, hein. C'est raco ça.
Le boost, je le fais vraiment au dernier moment, hein, c'est ça que vous devez savoir. Après, je sais pas aux cartes, j'ai pas trop fait avec le card, j'ai un peu testé, mais bon, ça doit être un peu plus compliqué. Voilà. Mais à côté de ça, bien sûr, on peut faire le speed jump avec le card, donc on peut aller plus vite. Et donc c'est plus intéressant de le faire quand même avec le kart, mais bon, moi je voulais une moto à l'effigie de Yoshi, quoi. C'est pas rien. Puis pour honorer ce circuit, voilà, tout est Yoshi, tout est beau. C'est la classe. Oui, parce que Yoshi est aussi mon perso préféré dans Mario Kart, dans Mario Foot. Mario, non, comment il s'appelle, Super Smash Football. C'est Mario Smash Football, ouais. Le jeu qui a eu 10 sur 20 sur jeuxvideo.com. C'est la classe. Mais je ferai un vidéo test sur jeu, bien sûr. Donc voilà, c'est... Sinon, je voulais aussi vous expliquer si le circuit est plus dur. Bon, il est plus dur que la version GameCube. Pour moi, il est... C'est clair. Pour une fois, j'ai envie de dire, d'habitude, ils te font un remake plus simple que l'original sur Wii U. C'est ça le problème. Enfin, en tout cas, le remake de la Super NES, extrêmement simple. Le remake, enfin, pour la Rainbow Road, et le remake de la Mine Wario. Non, mais attends, j'ai rigolé. La Mine Wario, c'était un circuit extrêmement hard sur Wii, je me souviens. Là, quand tu le fais sur Wii U, attends, c'est autre chose. Là, ça devient le circuit de Luigi, là, sur Wii. C'est pas possible, il est super simple. Enfin, voilà. C'est assez incroyable. Alors que par contre, ce circuit-là, il est vraiment pas loupé. Il est vraiment intéressant. Et le cut là, on peut pas le faire sur GameCube. On peut pas le faire, c'est formé différemment, on peut pas le faire. Mais sinon voilà, c'est un circuit assez intéressant et plus compliqué que sur GameCube. Sur ce, je vous dis à l'envoyeur pour de nouvelles aventures et pour un nouveau TT.